Je surveillais la nymphe tous les jours et puis là, ce matin, elle est transformée en un beau ténébrion. Il est assez gros en plus, fait que ça doit être une femelle. Naturellement, j'ai manqué la transformation. Je vais recommencer avec une autre nymphe. Là, je lui ai donné un quart de laitue romaine. On est le 8 mai. Et je donne encore des verres de farine et puis des nymphes aux oiseaux. J'en ai mis dans trois petites mangeoires. Ici, j'en ai mis aussi dans la petite mangeoire. Alors, j'ai mis des nymphes et puis des verres de farine. J'en ai mis dans celle-là aussi, ici. Alors, il y a beaucoup de gros becs qui sont ici. Ils vont être contents. Alors, ça, c'est mes nouvelles mangeoires. Là, je suis en train d'en faire un autre. Ça va être très joli aussi. Ici, j'ai mis des arachides en écale pour les yeux bleus, mais ils n'ont pas découvert. On est le 14 mai 2022. Alors là, j'ai enlevé 38,7 grammes de verre de farine de mon élevage que je vais faire congeler pour les déguster.